Ah, bon Dieu. Ah, vas-y, Louis, je suis prêt, on va pouvoir y aller quand tu veux. Hein. Tu fais quoi, gros? Pourquoi t'as pas de chaussures? Bah quoi, je suis plus créatif comme ça, je suis plus isolé, en fait. Tu vois, il y a un truc de... Je retourne un peu à la terre, quoi, donc je préfère... Non, mais il fallait nous dire, on a reçu une perle, en plus. Une paire de... Bah vas-y, essaye-le. Ah, une paire de blazers, s'il faut dire, frère, t'es un ouf, toi. Moi, je kiffe, c'est une de mes paires préférées. En plus, t'apprendras qu'elle... Louis, je te parle. Elle est validée par Franck Tilikina, le basketteur. Mais non, jure. Je te jure. Tu peux le voir sur l'interview d'Inou tout sur tous les réseaux de Bouscapé, en fait. On y va? Vas-y, JDR 105, générique, c'est parti. À la une, bah, je vais vous parler en fait tout simplement de la compilation très organisée parce que ça y est, elle est dehors, elle est à l'initiative de Jul. Hein. Regardez, ici, une mosaïque avec, bah, c'est non exhaustif, hein, y a vraiment pas tout le monde parce que c'est la ville de Marseille qui est sur le projet vraiment. Ça fait depuis 50 jours que le morceau qu'on a organisé est dans le top Spotify France devant Lettre à une femme et devant Jombe, donc c'est quand même quelque chose. Je propose tout de suite de passer à la rubrique suivante en fait. Réseau Kalash Criminel a annoncé que l'album était prêt. Sur son Insta, il reste que 3 photos avec les invités du projet. Il y aura peut-être plus, apparemment, il y aura d'autres surprises. Donc, il y a Nekfeu, il y a Damso, il y a aussi Caris. Voilà, à mon avis, quand ça va sortir, on va se prendre une bonne dose d'agressivité dans la gueule et tout le monde va être bien, bien belliqueux. Voilà. Vous voulez que je sorte et qu'on se tape? Une non-info, Damso a désac son compte Twitter, aucune surprise. Puisque dans Damso, la fascination documentaire disponible sur la chaîne YouTube, il dit qu'il avait envie de prendre un peu de recul sur les réseaux pour goûter à la vraie vie tard, Big Flo et Oli. Et heureusement, des gens continuent de faire exister quand même son œuvre sur les réseaux. Fif a le bras long, Fif au bras d'acier comme on l'appelle. Il nous a dégoté une info comme quoi Dean Burrigo va revenir avec un album le 6 novembre. Ça s'appellera Cercle Vertueux. Et je pose ici le clip éponyme. Comme l'étudiant quand y'a partiel en jogging dans ton défilé R.I.P. Karl Lagerfeld. Le 6 novembre, on aura aussi l'album de Medine, Grand Medine. En ce moment, il marche sur l'eau, le mec. Je l'ai vu cet été. Franchement, il a battu Larry et 6 petits Strasbourgeois au tir à la corde. Donc, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi déterminé. Ouais. En tout cas, en termes d'invités. On a Attic, Soso Maness, Big Flo Oli et YL. Et je vous montre tout de suite, pas plus tard que maintenant, le clip qui s'appelle FC Grand Medine. Les majors, je vais les voir qu'une fois par an, comme les morts à la fête de la Toussaint. Alpha One, il stocke un featuring avec Harris et Infinite. Fif a essayé d'en savoir plus. Au début, il a trouvé porte close. Et puis finalement, bah, ne fait pas fi de Fif qui veut. Donc Alpha One a fini par lâcher qu'il y aurait un projet de Don Dada en novembre. Donc ça, c'est bon. Au niveau du tracklisting, me saoulez pas, je connais encore rien. Je connais pas le tracklisting. Je connais ni Don ni Dadev sur la tête de mes gamins. Mais néanmoins, ils ont quand même fait le match retour avec Freeze. Et voici un court extrait ici, là. J'essaierai trop de ma salle, me mélanger comment ça. Je suis fermé comme un sas. On n'avait pas le temps de finir la crime la semaine dernière. Titre, je vous fais la fin du tracklisting. Tout bonnement, en plus de Soso Maness, Nino, Niska, Maes, Leto, on a Vladimir Cauchemar, Esfara et Basta, Jul et Goulag. Et puis, le dernier titre vraiment me hype, puisqu'il s'appelle le petit Nicolas Sarko, va bégayer. Peut-être que si vous êtes drôle, mais j'avais devenu accro. Ça y est, c'est officiel, Aya Nakamura a vendu 1 million d'exemplaires de son album dans le monde entier. Disque de diamant, donc les rageux, taisez-vous, murez-vous dans votre silence. Non. On a failli pas voir cette info, je suis un grand professionnel, avant d'aller me murger la gueule au champagne, je vous donne ça. Kobalade qui sort le 23 octobre, son nouvel album Détail, a délivré comme ça, par surprise, la tracklist. On a qui? On a Vald, Freeze Corleone, Nino, PLK, Maes, Zed. Ça va? J'espère que t'es bien préparé. Les vidéos dans le rectangle, j'appuie sur play. RK fait appel à Alonso et Timal pour Billie Jean, le remix. C'est tourné à la hoops. Vous pouvez m'y trouver le lundi soir, me faire étaler par des joueurs de 60 piges. Tu fais partie des comics. Soul King et Sofiane ont sorti Tichi, l'instru en flûte de pan là, j'adore. Chacun son manoir, chacun son domaine, des colonnes romaines, pour les Bosch reste un phénomène. Caris et Bosch nous envoient 2-2. Si c'est Paro ici, Claro Kessi. Pour les pénaltys plus précis que Messi. Si c'est Paro ici, Claro Kessi. PLK est le pilote de toute cette affaire, avec Hamza il file à l'anglaise. Je pilote la caisse, moi chérie, t'en fais pas. C'est le compte d'être pas, tu sais bien, tu sais pas. Aya nous présente son doudou, c'est adorable. Et ça c'est bon bord de mon doudou. Le clip téléphone de Chili est sorti, des sachets de plein de marques différentes, on dirait le bureau de Sarah de Bouscapé. Des fois je me dis que je pourrais la quitter, je pourrais la fuir. Des fois je me dis que je devrais jeter mon téléphone. Léonie s'est envoyé son clip méga, ça sent bon non? Y'a quelque chose qui arrive derrière non? Ni pour niquer les muguets, vendu vers pas du muguet, ça va pas rouler un méga. Tout The Kid a sorti Plus d'amour à te donner. Mais ce serait pas un peu dangereux le casque vert dans le bain là? N'oublions pas la jurisprudence Claude François tout de même. Plus d'amour à te donner. Le temps est gris à Évry et à Roubaix pour ZKR Koba. Poursuite. Tu veux de la Z dans le Nord, la ZKR. Lala Ace et Genda ont sorti Laisse ça. Lala Ace, encore une vénerie. Ça me rend malade, je suis toujours pas guéri. Cénis a sorti Spirit of Ecstasy. Spirit of Ecstasy. Un peu de buzz, un peu de haine.
Média, écoutez, c'est la fin de la polémique. Freeze Corleone s'est excusé, il s'est assagi, il a mis de l'eau dans son vin. Maillot du Bayern, mais fuck Hitler. Je suis super gentil, je suis tout doux. Je suis super gentil, S.O. Boubou. Joey Starr va jouer dans une nouvelle série TF1, le remplaçant ici. C'est ce que voit hein, le Dirkam à 5h du mat vraiment sur le tournage, donc c'est plutôt plaisant. Voilà, ça arrivera bientôt sur TF1, la chaîne là. On a eu des nouvelles de notre média Bouscapé qui se porte à merveille, il est en pleine santé. C'était l'ODR présenté par Amad de Bouscapé. Louis, toi t'es passé de derrière la caméra à devant puisque t'es talent du mois. Est-ce que t'as reçu des nudes un petit peu? Ah oui, très clairement, on va avoir des comptes certifiés en plus. Très bien, c'est tout ce qui compte. Je m'occupe de réaliser et de monter tout ce qui est les nouveaux formats, les formats éditos. Qui... Rappelli, t'es parti en immersion avec Sifax de nuit évidemment, tourné de nuit sinon c'est. Nous avons des gants, des cagoules. Gros vendeur de CD, gros vendeur de... Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine, les albums? Sifax sort son album La Mentale. Zedune Pavarotti sort son premier album, Bossaigne. La compilation Très Organisée est elle aussi sortie. Le rappeur 2G du label Untouchable sort son premier EP, C'est Léger. Point G, quelle est la pire chose qui peut arriver à un homme? Déjà, quand on a une pub YouTube avant son contenu, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais en train de me faire un chili de la marque Cora, celui qui fait chier rouge, et tout d'un coup, il y a eu un clip avant ma vidéo, et pour une fois, c'était bien. C'était Cheb, avec un euro à la place du E, qui a sorti un nouveau clip qui s'appelle Cœur Noir. C'est le premier son de Cheb sur les plateformes, mais il y en a d'autres sur sa chaîne YouTube, vous pouvez checker. Je me suis pris le truc, franchement, très très lourd. Donc voilà, on espère que le bonhomme va émerger un petit peu. J'aimerais en savoir plus, tout simplement. Donc Cheb, Cœur Noir. Le cœur, il est noir. Je marche proche. Je vous abandonne, on se quitte quand même avec le petit com qui est juste là de Mister Fourax Fourax qui nous dit que Jean-Luc Reichmann va sortir un album de rap, la cover juste ici, t'as une tache pistache. Le son de la semaine c'est quoi? C'est Dadju featuring Tiakola, Dieu merci, disponible dans les playlists Bouska Bangers, mais également aussi dans les playlists Bouska Hits. Ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Ici c'est la télévision et la télé, c'est que de la télé, bisous. JDR 105 c'est terminé, JDR 106 la semaine prochaine. En plus, sais-tu, Louis, qu'elle est validée par Franck Tidikina, le basketteur? Ouais, vas-y, ok, ouais. On y va, là. Non, mais non, tu peux pas faire ça.